Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode du Vlogtobre et premier jour où nous nous réveillons à Mystic Falls. Donc voilà, on est super contente. J'ai déjà promené Cupidon, mais dans la nuit parce qu'on est encore en décalage horaire. Oui, je t'ai promené. Donc on a fait un peu le tour des lieux, mais sans trop voir parce que voilà, il était très très sombre. Là, il est 7h30, un truc comme ça. On va aller, je pense, dans le salon de Twelve Oaks. Donc Twelve Oaks, c'est la maison dans Autant on emporte le vent, où on va aller attendre le petit déj dans le salon. Le petit déj qui est dans à peu près 1 heure. Donc on va un peu tricoter. Aujourd'hui, j'ai mis. Alors, où est-ce que je vais me placer ici pour vous montrer les trucs? Ça marche pas. Ah, je vais me mettre là. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon pull Pioneer que j'ai fini hier dans l'avion, genre le rabat qui manquait. Alors il n'est pas bloqué, donc les petits festons comme ça, faut que je m'assure qu'ils soient bien mis. Mais sinon, voilà ce à quoi ça ressemble. On se réveille dans notre chambre, Frankly Scarlett. Regardez, là on voit genre un peu l'extérieur de la propriété. Là, ça donne sur le devant de la maison. Vous pouvez apercevoir un peu leur déco d'Halloween. Coucou, c'est moi. Et là, sur le côté, il y a un grand porche qui fait tout le tour, en fait, avec des grandes colonnes et tout. Maman qui fait un peu de travail alors qu'on est en vacances. Voilà, nous on va aller tricoter dans le salon. J'ai pris mon Fluffy Cardi. Bien installé. Ouais, trop bien. Kiki aussi, regarde. Alors là, il me reste ça de mon deuxième écheveau. Donc voilà, il me reste à peu près ça. Et quand j'aurai fini cet écheveau-là, je commencerai la deuxième manche. Parce que là, pour l'instant, j'ai qu'une manche sur deux. La deuxième manche. Donc j'espère que peut-être j'aurai fini cet écheveau-là aujourd'hui. Qui sait? Alors apparemment, là où on est, dans ce bed and breakfast, il y a 6 esprits, mais ils sont tous friendly, donc ça va. Alors, on est installé, maman, comme une reine. C'est trop beau. Avec un petit yaourt. Ça doit être un yaourt. Je vais manger des trucs healthy. C'est incroyable. Nos premiers pancakes en myrtille. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Voilà. Regardez la voiture qu'ils nous ont louée. Mets-toi à côté, s'il te plaît. Pour faire la... Non. Alors là, on quitte notre bed and breakfast et ah, mais il n'y a pas de trottoir. On va passer par l'intérieur et ça se voit, on est aux États-Unis, les gens ils marchent pas ici. Il n'y a pas de trottoir. C'est soit tu prends ta voiture, soit tu restes chez toi. Voilà notre bed and breakfast. Il est joli. Ça c'est le côté. Ah oui, parce qu'on est sur le côté.
C'est beau. Et là, on va sur la place centrale avec un clock tower, c'est un clocher. Avec le clocher, tout ça. Nous, notre chambre, c'est celle qui est dans le coin là. Là, maintenant que le soleil s'est levé, ça fait plus pareil, hein. C'est beau. Ouais. Voilà, les deux fenêtres qui sont là, c'est notre chambre. Regardez-le. On arrive bientôt au centre-ville et là on vient de passer devant une boutique. Pour l'instant c'est fermé, mais je vois qu'il y a des casquettes Vampire Diaries, pas mal de trucs. Si je buvais du vin, je buvrais celui-là. Ça aussi c'est super joli. Puis donc on dirait un peu un renard. Oui. Qu'on est sur le point d'arriver. Il est derrière ces arbres. Là, là. C'est là qu'il y a le cabinet médical. Regarde, et de l'autre côté. Bon, c'est un petit peu un spoil, hein, mais. Génial! Il y a encore plus de boutiques que ce que j'imaginais, de trucs de merch et tout. C'est une boutique, il y a que des trucs avec écrit Bitten by et X. C'est joli ça. Ah, et là-bas, il y a Beetlejuice. Regardez! Regardez où je suis pour mon nouveau Caston sur un joli petit banc de Covington. Voilà, alors on va monter un nouveau projet avec de la jalalopi, donc c'est de la laine sport de Istex en couleur noir corbeau et la couleur bois brûlé en Termina Sport de Arco Iris Yarn. Et je vais faire, là je m'apprête à monter les mitaines Mystic Falls de Triona Design. Voilà, j'ai tout emporté dans mon sac et on va se poser ici, il fait un grand soleil, il fait pas froid, pour monter notre projet. Ouais, super chaudron. Et dans le Mystic Mercantile, ils ont reproduit le salon des Salvators. Ça ouvre à 11h. C'est le même canapé qu'il y a dans notre bed and breakfast. Ah, mais il y a quelqu'un, le pauvre. Et ils ont pris une photo tous ensemble sur ce canapé. Ça, c'est le tombeau des Salvators. Vendredi, on va faire cette escape game qui se passe là-dedans, je crois. Et là, on est dans le magasin du tour,
le tour qu'on va faire mardi. Il y a un énorme corbeau. Je disais à maman que je voulais ouvrir une boutique de laine sur cette place, quoi, la place de Mystic Falls. Et maman me voilà, a trouvé un endroit à louer. Parfait. Moi, ça me fait bien plaisir qu'ils n'aient pas mis une date de fin. Tu vois ce que je veux dire? Trop mignon ces petits dessins. Ça me parle beaucoup en plus. Alors, on est devant le Mystic Grill, décoré pour Halloween. Et ça, c'est l'allée où il se passe plein de trucs dans la série. La petite allée en dessous. Il y a un gift shop. Ah, il y a des trucs Harry Potter aussi, hein. On est dans le musée qui est dans l'allée. Et il y a tous les costumes originaux. Voilà. Et notamment, là, bon, il n'y a pas le gilet, mais on voit la robe qu'elle a portée sous le gilet. J'ai du mal à imaginer elle arriver avec des hugs, mais bon. Klaus donne à Caroline. Bizarrement, il n'y a pas le bracelet que Tyler offre à Caroline. Super mignon, hein? Et en fait, je crois qu'il y a un concours de un concours et tu peux voter en scannant les trucs parce que ça fait plusieurs fois que je vois. Eux, c'est pas mal, hein, leur truc. Lui, c'est trop mignon. Regardez leur déco à eux. C'est exceptionnel. Ceux-là, ils sont pas mal aussi. Hein. C'est énorme.
Donc là, on est de retour au Mystic Mercantile. Ils ont mis en route leur chaudron. On va donc aller voir à l'intérieur. C'est marrant qu'on tombe là-dessus. J'ai l'intention de faire exactement ça. On est dans un autre magasin de souvenirs. Il y a plein de trucs. Ça, c'est les pompons qui ont été utilisés dans la série. Peut-être qu'on devrait s'acheter un pieu quand même. En cas où pour ce soir. H24. Et on est de retour à la maison. Et sinon, bah écoutez, les converses, on n'y voit que du feu. Hein. Les converses teintes, ça marche, ça a bien marché. Elles sont décollées, mais ça se voit pas quand je marche. Donc voilà, tant mieux. Dans les chambres qui sont ouvertes, je suppose que ça veut dire qu'on a le droit d'aller zioter. J'ose pas rentrer quand même. Donc ça, c'était... la master suite. Bah du coup je pense que c'est pas eux qui habitent dedans parce que ou alors ils sont vraiment très ordonnés. Il y en a une autre là qui est ouverte. Celle-là c'est In the Heat of the Night. Il va falloir qu'on se renseigne sur ce truc parce que celle-là elle est un peu moins bien mais elle a un extérieur. Ça fait pas mal, t'as vu? Ok, nous on veut monter. Verte, maman. Là il y a un petit balcon sur lequel on pourrait se poser aussi. Et celle-là, celle-là on va y rester. Celle-là c'est. Ok, là regarde pas. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, c'est grave beau. Là vous voyez, il y a une noix. Je dis pas trop fort parce que ma mère elle veut pas regarder. Ça, c'est une autre des chambres qu'on n'a pas réservées. Oh, je crois que j'ai oublié d'y aller. Ça a l'air trop beau. Waouh! Oh, c'est magnifique. On dirait un truc un peu de paradis. Et ça, là, si j'avais un coin comme ça, je crois que je commencerais à écrire des patrons. Regardez ces petits trucs. C'est tout. C'est des chambres pour Kiki, ça.
c'est une chambre où on va dormir. C'est la chambre Brothers Bourbon. Super belle. Là aussi, on va se prendre des bains de folie. Breakfast at Tiffany's. Super. On fait le tour de nos grounds. Comment on dit grounds en français? Oui. Comment on dit grounds? De nos terres. De notre propriété. Ça, c'est le dos de 12 Oaks. Regardez-moi cette maison comme elle est, mais trop bien décorée. Eux, ils sont mis, à mon avis, des jours entiers hein, à faire toute cette déco. T'as vu tous les personnages qu'ils ont et tout? Mais non, c'est génial. Là, t'as le cimetière, les mains et les pieds. J'aimerais bien venir chôner chez eux pour Halloween. C'est marrant parce que là, il y a écrit Graveyard Entrance et c'est justement par là qu'on va aller au cimetière. Et c'est très à la mode, hein, les toiles d'araignée cette année. On est au centre des visiteurs. Le panneau de Mystic Falls, c'est fermé aujourd'hui, mais on y retournera quand ce sera ouvert, bien sûr. Regardez comme c'est mignon. Il y en a plein. Oh là là, eux, ils ont pris un chariot. Attends, mais ça, c'est pas trop de les filmer, mais ils sont tellement marrants. Oh là là, regarde comme elles sont énormes, celles-là. C'est dingue. Ah oui, et là, tu vois, tu t'achètes ta petite pumpkin. Si on était resté dans le même logement tout le temps, on en aurait pris une petite. Il y en a des blanches et tout, elles sont trop mimi. Et celle-là... Mais l'état de Georgia, il est très fertile. Ça se voit. Magnifique. Alors, on rentre du petit snack du soir de l'hôtel. Non seulement on a le petit-déj le matin, en fait on a pris le petit-déj de l'hôtel le matin et depuis on n'a rien mangé d'autre parce qu'il était tellement gros que ça nous a calé. On voulait manger au Mystic Grill mais on s'est dit qu'on n'allait pas y aller parce qu'on n'avait pas faim. Donc je pense qu'on ira faire les restaurants de Covington les jours où on sera dans des Airbnb et pas dans ce bed and breakfast parce que sinon, ou si un jour ils nous servent un truc au petit-déj qu'on n'aime pas et qu'on ne mange pas beaucoup. Il me reste ça. De mon écheveau et sur mon gilet, alors je peux pas vous montrer parce que non seulement je suis sur un rang mais en plus je suis comme d'hab en train de perdre des mailles mais donc je peux pas l'enfiler mais en termes de longueur de gilet ça donne ça pour l'instant. Je vais
vais continuer jusqu'à au moins la fin de cet écheveau là. Et puis après je me mettrai sur la manche avec le troisième écheveau. En attendant, là je vais reprendre mes mailles et puis après on va discuter un petit peu. Alors là sinon au niveau des encours, j'ai avancé, j'ai fait toute la partie des côtes de ma mitaine Mystic Falls et là c'est fini, je la tricote plus parce que je veux en fait utiliser une bague pour le jacquard pour la tricoter, et donc tant que j'en ai pas, je j'ai pas envie d'avancer dessus, je préfère faire d'autres projets, genre j'ai pas mal de projets un peu interminables en jersey, en mer de jersey, etc. Donc je préfère avancer sur cela pendant que j'ai pas la petite bague, et après quand je l'aurai, là j'avancerai genre les projets en jacquard. Ma mère hier elle est sortie, elle a laissé la porte ouverte, le chien s'est évadé pendant que j'étais dans la douche, et j'entendais un chien de loin, et je disais mais c'est bizarre, j'entends un chien, et je disais non mais je crois pas que ce soit Cupidon et tout, et en fait ça faisait 30 minutes que Cupidon se errait tout seul, il était avec les 6 esprits du Airbnb dans les parties communes. Et là qu'est-ce que je vois, je lève la tête, je vois que tu sors et tu laisses la porte ouverte. T'allais où? T'allais faire quoi? Replacer le livre. Ah donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc oui, je pense que demain, on ira sûrement à Michael's. Où... J'ai vu qu'il y avait un Michael's à Conyers. C'est une ville pas loin d'ici du tout. En ce moment, il y a une convention sur The Originals. D'ailleurs, la dame nous l'a dit là au petit apéro qu'on a eu. La dame du Bed & Breakfast, moi les conventions ça m'intéresse peut-être pas trop, parce qu'en fait moi ce que j'aime bien c'est genre l'histoire de la série, les endroits où ils ont tourné et tout, les acteurs maintenant qu'ils ont terminé la série, enfin c'est juste des gens, genre je rêve pas de les rencontrer, de faire une photo avec eux et tout, si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre être ici à Mystic Falls c'est trop génial, genre j'ai vraiment l'impression d'être dans la série, quand on voit le clocher tout ça c'est trop stylé. Alors, Frédéric Martinez, coucou Ellie, j'ai hâte de te suivre durant tes vacances aux USA. Je me demande comment Cupidon, durant le voyage, fait ses besoins. Eh bien, quand il est dans l'avion, il ne les fait pas parce qu'il dort. Et au final, donc, il ne boit pas, donc il n'a pas envie de faire pipi, enfin voilà. Et quand on est dans l'aéroport, alors, soit on est en France, et en France, il n'y a pas de zone pour que son animal fasse pipi. Donc on l'emmène dehors dans la zone fumeur ou dans le... Souvent les salons d'aéroport, ils ont une petite zone extérieure ou des trucs comme ça. Et sinon, quand on est dans des pays plus développés que la France visiblement, alors aux États-Unis, au Canada, etc., on l'emmène dans des pet relief area comme je vous ai montré hier. D'ailleurs, peut-être que j'ai déjà répondu à cette question hier, je sais pas. Quoi qu'il en soit, bon voyage et des bisous. Merci, je te fais des gros 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 bisous. Alors, Karine Guéraud. Bonjour Éléonore, j'ai hâte de voir tes prochaines vacances. Dis-moi, où as-tu trouvé de la laine en Thaïlande? Je te recommande de regarder la description de la vidéo de mon vlog en Thaïlande. Genre, si tu cherches ville de nuages Thaïlande, tu vas trouver, je pense. Parce que j'avais mis les noms de chaque endroit. Mon endroit préféré, c'était le magasin Big Knit. Voilà, Big Knit. Je le trouvais exceptionnel. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Et tu reposes une question. Tu me fais trop rire, mais où vas-tu mettre tes habits avec tous ces projets que tu prends? Ou alors tu prends 3 valises? Non, non, je prends juste une valise. Mais ça va, mes habits sont rentrés. Je te fais des gros bisous. Songbook, coucou Ellie, merci pour ta réponse. Ce qui m'a mis encore plus en apnée, je pense que tu ne vas pas me croire, mais j'ai tellement zappé le projet de température de 2025 qu'effectivement je vais faire aussi. Mais totalement sorti de la tête, je me demande encore comment c'est possible. Du coup, je m'excuse pour ma question, je ne voulais pas te mettre dans le bas. Mais non, mais pas du tout. Et côté positif, en oubliant, ça m'a mis en joie de redécouvrir ce qui m'attend. J'espère. Bon, bah tant mieux, tu vois, c'est bien, tu te fais un petit cadeau, une petite surprise à toi-même. Côté positif, donc j'espère que vous avez fait un bon voyage tous les trois. Oui, très bien, merci, c'était top. Pas de soucis avec tes 3 projets pour l'avion. Non, non, j'ai eu aucun souci. Une caresse à Cupidon. Une bise à Maman Nuage. Moi aussi.
Et toi, je te fais des gros bisous. Valérie Philippe, coucou Éléonore. Tout d'abord, merci d'être toi. Peux-tu me dire quel est le kit d'aiguilles roses avec lesquelles tu tricotes le plus? C'est les Lickup Blush en 13 cm. Et tu me demandes, et sont-elles confortables en comparaison avec les Chagou? Bah, moi, je trouve que les Chagou sont confortables et celles-là aussi. Elles sont plus confortables dans le sens où moi j'aime bien tricoter dehors et tout. Et en hiver, quand il fait froid, c'est plus agréable d'avoir des aiguilles en bois qu'en métal. Donc voilà. Mais sinon, je connais pas trop des aiguilles qui sont pas confortables. Enfin, mis à part par exemple les sinites qui se dévissent. Ok, c'est pas une expérience cosy de tricot. Mais ou sinon, les aiguilles en plastique, j'en ai déjà utilisé. J'aime pas le bruit. Donc c'est inconfortable. Mais sinon, ouais, celles-là, je les aime beaucoup. Je te fais des gros, gros, gros bisous. C'est chouette de suivre tes aventures de la part de Trac Violette. Une question, Cupidon voyage avec toi ou en soute? Il voyage avec moi, il voyage à mes pieds. Je pense que vous, dans la vidéo que j'ai postée hier, vous avez peut-être vu, genre, c'est un sac... Un gros sac à mes pieds, genre c'est le sac de Cupidon, il est à l'intérieur de ça. Amuse-toi bien et bonjour à Maman Nuage. Bonjour à Maman Nuage. Bonjour, alors, Estelle Dortu, des bisous, amusez-vous bien, ton sac à dos est magnifique, il vient d'où? Merci beaucoup, il vient de... Eh bien, je ne sais plus du tout parce que ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un sac à dos en chanvre. Il y a écrit genre c'est un truc un peu écolo, rock the world responsibly, mais d'où est-ce qu'il vient? Il a été fait à la main à Madrid, non au Népal, mais c'est une marque espagnole et ça s'appelle Hemper. Hemp, bah comme le chanvre quoi. Hemper Handmade, voilà, et le logo de la marque c'est ça. Voilà, voilà, je te fais des gros bisous. Alors, Sophie Bor, coucou Éléonore, as-tu pensé à acheter une autre valise pour le retour? Non, pas pour l'instant. On verra comment ça se passe. J'ai bon espoir parce que la valise de Maman Nuage, elle était genre assez légère. Donc, j'ai bon espoir qu'il y ait de la place pour que je puisse mettre des trucs dedans si j'ai besoin. Maman Nuage n'est pas d'accord qu'on achète une valise supplémentaire. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on a déjà assez de choses à transporter. Je t'embrasse fort, Sophie. Candry, excellent voyage, Éléonore. Il me semble que tu as dit qu'il ne fallait pas prendre de mètres dans l'avion. Ouais, je ne vous le recommande pas. Dans pas mal de pays, on n'a pas le droit de prendre les mètres rubans là, qui se déroulent. Enfin, vous les mettez dans votre valise enregistrée, mais dans votre bagage à main, on risque de vous les prendre. Moi, on me l'a pris une fois à Dubaï, j'étais dégoûtée. Et je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, enfin c'est complètement illogique, mais genre parfois je le vois sur les, il y a des petits schémas de chaque chose qui est interdite et il y a genre le mètre ruban, gros truc dangereux. Je te fais des gros bisous. Du coup moi pour éviter de me faire confisquer mon mètre, j'en prends pas, je vérifie pas à chaque fois dans chaque pays où je vais, maintenant j'en prends juste plus. Julie de Plume, coucou Éléonore, Maman Nuage et Cupidon. Je suis super contente et excitée alors que ce n'est même pas moi qui suis partie. Et cette maison, waouh, j'adore le film Autant on emporte le vent, je regardais avec ma mère, c'est très nostalgique pour moi. Merci de nous faire profiter de ton voyage. Petite question, j'ai tellement flashé sur un patron d'Augustine's DK, le numéro 21. Juste, je n'ai jamais tricoté en anglais, penses-tu que ce soit tout de même possible? Je pensais traduire le patron avec Google Traduction et pour les habillations, j'ai déjà vu des équivalences français-US sur Internet. Je pense que ça le ferait, oui, mais oui. Enfin, je pense que si tu as de l'expérience dans le tricot, parce que si tu dois non seulement apprendre comment on fait les trucs et en plus traduire, c'est peut-être un peu dur. Mais sinon, oui, je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, je te souhaite bon courage et bon tricot.
Ultraviolette qui nous demande coucou, quelles sortes d'aiguilles sont autorisées dans l'avion en bois? Bah là j'avais pris des aiguilles en bois et des mini. Des aiguilles courtes quoi. Et ça s'est très bien passé. Sandrine Judé, coucou Eleona. Bonjour à Maman Nuage. Et bonjour. Cupidon, une petite question. Pourrais-tu nous montrer comment tu fais tes côtes de manches en circulaire sur le gilet flair, s'il te plaît? Je galère à les faire. Mais je ne comprends pas. Enfin, je les fais comme des côtes. Ah oui, par contre, moi, j'ai changé les côtes du patron. Hein. Je ne fais pas des côtes 2-2, je fais des côtes 1-1. Parce que je pensais que ça allait faire mieux avec ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, je fais une maille en droit, une maille en vert. Le rang suivant, je fais la maille en droit sur le V et la maille en vert sur le point. Je vois. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris dans ta question. Je fais des côtes normales, quoi. Bah, quand j'en serai aux côtes de la manche, je te montrerai. Mais du coup, là, j'ai pas commencé la manche. Donc, ce sera dans un petit peu longtemps. Voilà. Mais ça ressemble à ça. Si tu me dis, genre, qu'est-ce qui te pose problème? Peut-être que je pourrais répondre un petit peu plus précisément à ta question. Merci beaucoup pour ton aide. Des gros bisous à vous trois et profitez bien de votre voyage. Bah écoute, je sais pas si j'étais beaucoup aidée, mais j'essaierai un petit peu plus. Et je t'embrasse très fort. Et Tricot, mais pas que, qui dit bonjour, mais il est où Cupidon dans l'avion, s'il te plaît? Bah, du coup, il est dans son sac, donc dans son sac de transport, et à mes pieds. Voilà. Et il fait dodo. Il fait dodo dans son sac, comme ça. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Là, on va se mettre à regarder Autant on emporte le vent. T'as quelque chose à dire? Oui, on en a pour 3 heures de film, donc il faut qu'on y aille. Là. Okay, on démarre. C'est parti. Alors, j'ai fini mon deuxième écheveau, donc que j'ai tricoté sur toute cette manche-là. Puis, je l'ai terminé en tricotant tout le reste sur mon corps. Donc voilà, sur ce gilet-là, il me reste la deuxième manche à faire que je mettrai en route demain, la deuxième manche. Et les côtes du bas. Je vais quand même l'essayer pour vérifier si je commence les côtes dès maintenant ou si j'ai envie de le faire encore plus long. J'ai un peu du mal à me rendre compte. Mais potentiellement juste les côtes du bas et ensuite la bande de boutonnage. Et là je pense qu'on peut voir, bon déjà on voit clairement qu'il y a genre une courbe entre ici et ici. Il roulotte énormément parce que c'est du jersey et tout, mais j'espère qu'avec la bande de boutonnage ça ira mieux parce que j'avais pas trop l'intention de le bloquer là pendant le voyage. Et je pense qu'on peut voir genre les diminutions, puis les augmentations. Et en fait, il y en a ici et il y en a dans le dos. En fait, il y en a à 4 endroits. Il y en a ici, ici, ici. Et la même chose de l'autre côté. Et sur le devant, il y a plus de diminutions parce qu'il y a plus de mailles sur les devants que dans le dos à ce niveau-là. Mais par contre, ici, les augmentations, il y en a le même nombre ici et sur le derrière. Voilà, je suis très très contente. Et on n'a pas fini de regarder le film, on finira le lendemain. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot.